salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour la découverte de la nouvelle map sur Call of Duty Warzone, Fortune Skip. Voilà, je sais pas l'intro, j'étais parti pour faire autre chose, ça s'est mal, c'est pas réellement fait avec l'énergie que je voulais, mais du coup, première game sur Fortune Skip, qui était une map de Warzone 1 qui vient de revenir, un peu différente à ce que j'ai pu voir sur les images, elle est un peu différente par rapport à la version qu'on avait sur Warzone 1, donc c'est bien, c'est-à-dire que c'est pareil, mais différent, il y a d'autres choses qu'on pouvait pas faire à l'époque, déjà premièrement, il y a une différence qu'on pouvait pas faire à l'époque, c'est qu'on peut nager aujourd'hui, et à l'époque on ne pouvait pas, alors que c'était une île entourée d'eau, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a Rebirth Island qui va arriver normalement saison 3 ou saison 4, on pourra nager également, ça va changer énormément je pense la donne, sur pas mal de choses, wow! Et on avait Creek, bien sûr, ah bah ouais. Alors, en fait, la différence, c'est qu'on dirait qu'il y a une espèce de tremblement de terre qui a détruit la map au milieu. Alors, il y a un truc que je regrette, c'est... Tu sais qu'il n'y ait pas une petite cinématique qui te montre un petit peu comment ça s'est passé ou un truc du genre, tu vois. C'est un peu dommage. Tu vois, bah, je me souviens, il y avait cet endroit-là où on se mettait parce que c'était un point un peu stratégique. Là, il est pété, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, il y a quand même une bonne démolition sur la map. Alors, j'ai envie de tester quand même le XRK parce qu'apparemment, il one-shot dans la tête. Enfin, faut tirer dans la tête, hein. Jusqu'à 50 mètres. Donc ça, ça va être la petite bonne nouvelle pour les snipers. Il y a le pont. Oh, comme dans le trailer. Bien. Ok, ok, bon. Allez, c'est parti. Première game sur Fortune Skip. C'est maintenant. Non, me dis pas que c'est la même intro! Enfin, voilà. Vos supérieurs ont donné le feu vert. Direction le front. Équipez-vous et prenez un parachute. Les règles d'engagement sont claires. Feu à volonté sur tout. Mais on peut plus le voir, lui! Mais qui le remplace, je sais pas, avec Ghost, avec Price. Un mec qu'on respecte, un mec qu'on aime bien. Pas cette tête de... Bon, allez, on va pas s'énerver. Wouh! Stylé! Alors la vraie question maintenant c'est... Et c'est quoi? Il y a un petit signe de zombie en bas là. Où est-ce qu'on va aller? Ok. Alors moi à l'époque j'aimais bien Winery. Mais Lighthouse ça peut être cool, je sais pas. Moi j'aimais bien aller là moi. On va aller là du coup, on va aller là. Oh, on commence avec le Deagle. Ah. Oula, avec le Stalker direct. Alors, le shoot, c'était juste pour montrer ce qu'il faut pas faire, hein, ok. Il me faut des munitions de calibre moyen. Voilà. Ça, faut pas faire. Ok, bon. C'est la première game. C'est la première game. Mais j'avais pas de shield aussi, donc c'est normal. Bon là, du coup, il va falloir survivre, sinon ça fait con pour la première game. Donc, on atterrit. Et on temporise un peu. Par contre, et qu'on commence avec... Ah. Ok, c'est bon. C'est-à-dire que si on meurt, on réapparaît. Wouhou ! Jeffrey ! Insulte-moi ! Voilà, ok. C'est bon, on va pouvoir se shield. Ah du coup... Mais non, il cheat. Bon, je galère encore un petit peu là. Il faut le temps de s'y mettre. Ground Zero, vas-y, attends, je suis curieux quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je m'en souviens bien de cet endroit. Attends. Mais mec, on dirait qu'il est à l'intérieur.
C'est quoi ça? Lire la note? Nous avons pu observer cette... De l'or? Ah, mais oui, d'accord, ok, ils ont gardé le système... Oh, oui, trop bien. L'apparence d'or pour la thune, quoi. Bah ouais, carrément. Carrément, c'est vrai qu'il y avait ça à l'époque, j'avais complètement oublié. Bon, heureusement que c'est de la résurgence, que c'est sur du Battle Royale, ça serait malaisant. Hein. Bon, en tout cas, ça fait plaisir au moins d'avoir une petite nouveauté sur la map. Vraiment, pour le coup, c'est assez plaisant. Et il y a le snipe derrière en plus. Bah, il y a du bordel, j'entends. Ah, yes, largage. Ok, bon, je galère encore. Je préfère le préciser parce que c'est pas évident, mais. Y a personne ici? Merde. Quoi ça? Armure complète? Mais c'est nouveau! Mais c'est trop stylé! C'est trop stylé! Bon, je sais pas, j'ai l'impression que les gars, quand ils sont dans les véhicules comme ça, ils sont un peu protégés. J'ai pas de smoke. Armure complète, ok, ça c'est classe. Ça c'est classe. Bon, j'ai pris la nouvelle SMG. Voir un peu ce que ça donne. C'est toi tout à l'heure qui m'embêtais, hein? Vilain! Ça, c'est quoi ça? Une sacoche d'armure, là. Sacoche d'armure? Attends, mais. Objet. Grande capacité? Ok! C'est nouveau ça aussi! Oh, trop bien, on peut avoir les 6 plaques! Au lieu d'avoir 3? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je vais pas tirer, attention. Mais... Oh yes! Oh le one shot! Oh le one shot au XRK qui fait plaisir! Et ça? Voilà! Oula, oula, mais c'est pas un micro qu'il a, lui, c'est un creeper! Mais... Yo, what's your mic? Ok. Bon, en tout cas... Ok. J'ai plus de balles! Mais arrêtez de venir sur moi! Mais tirez-vous entre vous, bande de chiens galeux! Et la nouvelle arme est cool, hein. La nouvelle arme est cool. Dommage, j'avais bien géré le truc, oh non! Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah. J'ai l'impression que la police d'écriture là en haut à droite elle a changé aussi. Bon là pour récupérer mon stuff ça va être peut-être compliqué non? Je peux acheter une caisse remarque hein. What? X2, mais il y a des trucs de zombies et tout.
Attends, il y a le truc de mule là, il est où? Un dépôt de munitions aussi. Le chien, il était sur le toit, il campait. Le salaud, va, salaud. Ah, il y a un gars là, malheureusement. Allez, mets-le à terre, mets-le à terre, mets-le à terre, je vais te le finir. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Bon, le but, c'est d'atterrir quand même. Pour que le chronomètre, il commence à partir. La résurgence, ça va bientôt être fini, je pense, hein. Oh ! La résurgence est sur le point d'être désactivée, profitez-en. D'accord. Bon. I love your mic, bro. I love your mic. Good quality. Bon, je sais pas ce que c'est les os et la tête de mort en bas. Le truc, c'est que... mon dieu, vite, j'y retourne. Fuck you, this bullshit. Eh, je sais qui campait là, le gars. Ok, fini la résu. Ok. Bon, je me suis pas trop mal démerdé. Et comme je savais qu'il allait revenir. Là, j'ai de la thune, mais j'ai rien pour. J'attends, hein. Je vais devoir attendre un peu. J'entends un gars, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Y'a rien. Hein. Bon. Bon, faut que j'attende un peu. Que la zone avance, parce qu'ils ont la hauteur. Je peux acheter un radar? Oh yes, bien vu. On va attendre des fois qu'il y a un gars qui veut aller au shop. J'ai ma frappe. J'ai la zone qui est pas très loin. Il y a des gens qui sont dans le coin. On va tempo un peu le truc. C'est la première game, on va essayer de le faire. Ok, il y a un gars en haut à gauche. La petite musique. Ah, il va passer par derrière, non? On dirait qu'il essaie de sauter. Oui, il est passé à gauche. Je crois qu'il est passé à gauche. Bon, on est dans la zone, hein, vrai. Ah, mais là, j'ai pas la hauteur du tout. Si je me fais avoir... Oh merde. La zone n'est pas du tout pour moi. Hein.
Fuck. Oh, le bouclier. Gardien ennemi actif. C'est par là, non? Ça marche pas. Bien joué frérot, franchement t'as trop bien joué. Ah, bien joué Gaël. Bien joué. Ah dommage, j'ai pas un explosif quoi. Et en plus lui il avait pas de shield, j'aurais pu l'avoir déjà. Et au moment où je lui tire dessus, le gars il est resté un HP hein. T'as l'autre qui arrive derrière moi. Je le touche bien. Y'a un autre qui est encore là que je tue. Et lui je remonte, il est mort, il a eu le temps de se shield, j'avais qu'un couteau. Malheureusement c'est assez compliqué. Première game sur Fortune Skip, top 2 versus un bouclier. J'ai envie d'hurler. Je le ferai pas parce que voilà, j'ai envie d'hurler. Non, maman. Bon, j'ai eu un peu de mal au début, ça s'est vu. Après, il y a eu quelques petites actions plutôt sympas. Au final, tu vois, je suis pas le plus grand fan de Résurgence. En tout cas, ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était Vondel et Ashika. Ashika, j'ai jamais aimé. Parce que elle est trop sombre pour moi. Tu vois, c'est vraiment, c'est sombre, c'est, je sais pas, c'est déprimant. Fortune Skip, je pense que c'est la meilleure option des trois qu'on avait. Quand il y aura Rebirth Island, je pense que ça va être sympa. Vraiment là, il va y avoir un bon truc. Après, ils ont mis la résurgence, la ranquette sur la résurgence. Bon, ouais, ouais, je sais pas, mais en tout cas, Fortune Skip, ça fait plaisir et ça va permettre de changer un peu. Moi, je suis plus Battle Royale, donc je suis plus sur Zixtan. Mais c'est vrai que l'Urzikstan, la map, je trouve qu'elle est, elle manque un peu de variété. Tu vois, t'as l'impression que peu importe où t'es, c'est toujours la même chose. C'est pas si fou. Et là, pour le coup, aller un peu sur Fortune Skip, ça va permettre de varier un peu et ça va faire du bien.